Salut YouTube, c'est encore moi pour une vidéo de Binder cette fois-ci. Alors on va directement commencer par une chose importante, c'est que maintenant que ça fait dans 4 jours exactement, ça va faire un an que je suis sur YouTube. Pardon, excusez-moi. Demain c'est mon anniversaire. Voilà. Donc je vais avoir 16 ans. Ça y est. Enfin demain. J'ai pas hâte d'être demain. Enfin, si j'ai hâte, mais j'ai pas hâte en même temps. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. On n'est pas là pour parler de mon anniversaire, ni de moi. J'aimerais dire un truc, c'est que maintenant que ça fait un an, que vous me connaissez, etc., etc., que vous savez que je suis quelqu'un de confiance, hein. La preuve. Vous voyez toutes les lettres que j'ai. Tous les échanges, etc., toutes les lettres que j'ai. Voilà. J'en ai un paquet, j'en ai encore dans mon placard. Je vais déjà compter celle que j'ai là. Une, deux, trois, quatre, cinq, ouais, cinq, six, six, onze. Rien que là, j'en ai 11. Rien que là, et encore, j'en ai encore un placard, un petit placard. Enfin, un petit placard, petit tas comme ça, pas encore. Je dois être à mon 40e ou 50e échange. Attendez. Ouais, à peu près, ouais, 30, 40 échanges. J'aimerais dire ce que je pense des envois. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop envoyer en premier parce que c'est long. Enfin, pas parce que j'ai pas confiance, mais parce que c'est long. J'en ai marre, je reçois toujours mes cartes 8 jours, c'est long. Surtout quand on doit vite avoir les cartes pour faire le deck le plus vite possible, sachant que pour mon Insector ça a été comme ça s'est passé exactement pareil. J'ai voulu finir l'Insector avant la banliste, et ben j'ai pas fini avant la banliste. Voilà. Donc j'ai tout échangé. Enfin, il m'en reste encore, hein, mais j'ai changé la plupart, la plus grosse partie du deck. Donc voilà, passons aux choses sérieuses. Alors j'ai deux classeurs, un très lourd et très intéressant, très lourd, ouais, et très intéressant, et l'autre moins lourd et moins intéressant. On va commencer par le moins intéressant. Alors, je sais pas, faut que je trouve un moyen de pas avoir pour que vous n'ayez pas le reflet. Je sais pas si vous voyez là. Là, je place en sorte que vous n'ayez pas le reflet. Attendez, je vais voir un truc. Si avec la lumière normale du jour. Ouais. Normalement, vous voyez avec la lumière du jour. Alors, pour les raretés, c'est pareil. Vous me demandez, hein, si vous voyez mal une carte aussi, pareil. On va commencer tout de suite. 4 synchro. Fracas. Gâchis, gâchis, Gantetsu. Là c'est guerrier nitro, là c'est reine des épines en super, deux ultras. Alors là il y a un dragon ultime aux yeux rouges. Attendez, je vais vous le montrer. Il a fait la guerre. Regardez, il a vraiment fait la guerre. Bon d'ailleurs on le voit pas trop, mais là il y a des suppliés partout, il a fait la guerre, c'est limite ses cadeaux. Limite, je le mets en cadeau. Je sais pas, peut-être. Voilà. Quelques petits Blackwing. Ça peut faire toujours plaisir, hein. Donc, Kalu, Deborah, Deshoura. Bon, j'ai encore Deborah et encore Deshoura, mais j'ai eu la flemme de chercher. Putain, vous voyez pas. Voilà. Donc, Bora, Shura, voilà. Kalu. Ou Kalu, ça dépend comment on dit. 3, 3, 3. Enfin, 4, 4, 4. Enfin, j'ai. Voilà, quoi. Les boosters réduits. Honest en commune, Nex en commune, Chimera Tech Over Dragon rare, quelques petites cartes du 6 samouraï qui me restent. Je sais pas, j'ai envie de tenter le 6A, mais j'ai plus envie de retenter en fait, je sais pas pourquoi, mais je le sens plus le 6A à la banne. Je vais tenter le, je pense qu'il est le deck qui sera le meilleur du méta. Donc quitte à échanger, enfin vous verrez dans le gros binder quoi. Voilà le reste de la 6A. Deux géants go go go. Je crois que j'en ai trois, je sais pas. Là j'en ai le deuxième là. Un ou deux gagaga magicien. Garna gagaga, pardon. Une gagaga garde. Diva des profondeurs dragon. Hiératique d'Azard. Canon catapulte. Canon dragon XYZ. Espion des protecteurs du tombeau en gold. J'adore les gold. Donc voilà. Peut-être pas Outrad. Portail de monstre. Les cartes. Les deux là, c'est des cartes des Teambox. Flelf, j'ai eu que Flelf et un rat automate dans les deux chinbox. J'ai été dégoûté. J'ai jamais de chance avec le booster. Alors, remarque, ça m'a pas.
J'ai été dégoûté, mais j'ai pas été étonné non plus. Un virus électrique, ça sert quasiment plus à rien. Messager de paix, Messenger of Peace, sport en commune. Attendez, j'essaie de voir. Voilà. Faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Hop. Attendez, excusez-moi. Voilà. Bon, vous me demandez au pire, hein. J'ai plus de 2000 cartes au total. Dragon. Alors là, c'est pareil que l'ultime, hein. Lui, il a fait la guerre. Je crois qu'il a fait les deux guerres. Bon, je pense qu'il a fait tout... il a dû faire toutes les guerres d'histoire de France. 14, 18, 39, 45, il a dû faire toutes les guerres. Voilà. Gardien et archidémon infernité, ça peut toujours aider les gens. Titanial en ultimate. Floraison de feu. Attaquant Tecgenus. Graine de feu. Troupe d'assaut Goblin Toon. Mais il y a une erreur de nom, c'est troupe d'assaut Goblin tout court. Parchat en Starfoil. J'en ai encore 4 ou 5 communes. Zone Chaos et un dragon des ténèbres aux yeux rouges. Garde Stygien, onde de chaleur. Tueur de trolls, Cedric Six, canon infernité, top géante néospatienne, pas outrage, j'en ai qu'une, à moins que vous ayez de la full rareté, je peux prendre. Ultra Alternate Art, je comprends, hein, elle part pas, mais bon, je la mets juste comme ça, personne la veut, parce que, voilà, c'est un soldat chtonien avec une image de verre de feu. Je le dis à chacune de mes vidéos, mais je me répète encore. J'essaie d'approfondir clairement à chacune de mes vidéos. C'est le verre de feu, il était qu'en super, donc le nom il brillait pas. Et le soldat chtonien, il était qu'en rare, donc il n'y avait pas l'image qui brillait. Donc j'ai fait les deux, ça fait ultra rare. Un soldat chtonien avec une image de verre de feu. Limitation de surcharge, la malveillante héros du mal, Zabor, j'en ai un deuxième. Un Barbaros, un Nerbel. X3, x3, x1, 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 x3. C'est des quoi qui me roule. X1, x1, x1. Super rare commune. Enfin, oui, commune du Battle Pack. 3 tokens. Des Néos. Enfin, des Néospatiens rares. Voilà. Chevalier de la Rose du Crépuscule en super, pardon. Ouais, non, rien. Excusez-moi, j'ai eu une erreur technique. Seigneur Vampire. Capa Vert. Guerrier double. Vampire Genesis, garçon excentrique, la porte des ténèbres, paladin super, dragon et les deux rats réservés. Bon, je lui ai dit qu'il était tout niqué, mais bon, il veut pas savoir, il veut quand même rat. Voilà, je te le montre, si vous voulez que je te le montre, ben je te le montre. Donc en fait, rat, il part avec Néo Photon contre un numéro 96. Je me fais peut-être un peu arnaquer, mais c'est pas très grave. De manière, je pense que le Néo Photon, il me sert pas beaucoup pour l'instant. Donc on verra plus tard. Colère divine en espagnol, en super espagnol. Magicien cybernétique en du Battle Pack. Unité de production de masse des ténèbres. J'arrive à lire à l'envers, je suis vraiment doué. Gratte-ciel niqué. Tout défoncé, pardon, pas niqué. Oui. Il n'y a pas écrit gratte-ciel niqué là. Hein. Il y a écrit gratte-ciel, mais je dis qu'il est niqué parce qu'il est vraiment mort. Cérulis, canon derrière la porte, transplantation de l'ADN. Seigneur poison. Sort de douleur. Qui peut être pas mal contre le Shinburn. Guerrier de réserve, prêtre d'Azura, je crois, non, mais je l'ai en Starfoil. Leyvatain. Oiseau furtif et hommage aux damnés. Pas... Alors là, les deux pages qui vont suivre ne sont pas Autrad. Je recherche une vague de Poséidon, une attaque de profondeur, un au requin. Voilà. Trois mentales, trois captures, trois machins. Je recherche deux rapcatures. Ensuite, je recherche deux trocs de poisson. Un ou deux trocs de poisson. Donc voilà, là j'ai plusieurs cartes. Je voulais vous le montrer. Ah, attendez, je sais pas si vous avez bien vu. Mais bon, je vais repasser depuis le début. Voilà. Donc là, vous voyez peut-être pas les mentats agiles au fond. Voilà, les mentats agiles. Hein. Non, là vous voyez pas. Tout court. Mentats agiles, voilà. Là vous voyez. Donc là, je cherche deux rapcatchueurs. Donc là, les fameuses 5 cartes de la même pochette. C'est les 5 cartes qui vont ensemble, je les donne. C'est pour les cadeaux, enfin, des trucs comme ça, vous voyez. Quelques cartes du Battle Pack, hein, je vous dis pas les noms. Voilà. Base Laval Outrad. Avec deux Cerbères, deux explosions infernales. Voilà, quelques cartes. Trois cartes interdites. Ouais, donc deux autres ici. Golem en Starfoil, Starfoil. En fait, c'est que des Starfoil, je crois, là. Sauf l'armature. Starfoil. On passe au gros binder. Enfin, gros. J'ai aussi quelques
Je peux aussi trader mes chronomales, demander que chronomales rocher. Et au cas où je trade pas, j'ai quand même ça en rab pour le chronomales. Voilà. Deux tablettes, un Moai, une Stonehenge et une Techno. Voilà ce que j'ai en rab au cas où je trade pas les chronomales. C'est pas beaucoup, mais bon. Ça peut toujours servir. Ah, ma petite base préférée. Je kiffe les cadeaux parce que les gens, en fait, limite, ils me donnent le deck. Voilà, quoi. 3 Lougoucho, 2 Elias, 3 Terrias, 4 Terrias même. 1 Pleuro, 2 sous-primitives, force des games branchez vos. Force focus en ultimate, peut-être au trad. Lévière pas au trad, j'en cherche 2 autres. C39, peut-être au trad, contre mes grosses recherches. 2 39, 3 papillots, pas sûr au trad. Perle, trad. Voilà. Anne de la Montagne d'Argent. Numéro 17, Adrus Tiras, roi des fées Alburveicht. 2 Zenmen, pas au trad, j'en cherche un troisième. Briseur d'épée, pas au trad, j'en cherche 2 autres. Ou un autre, je sais pas. Le fameux Néophoton qui est réservé. Evolzer Dolkia, numéro 34, numéro 17, un deuxième d'ailleurs. Les deux sont là. Héroïque. Alors, pour Héroïque et Gear Gigante, c'est la question que je me suis posée. C'est que j'en ai marre. Je trouve pas mes Gear Gigantes. J'ai trouvé les cartes Girga, mais je trouve pas les Gear Gigantes. Alors, j'ai essayé de tester sans Gear Gigante et Girga passe moins bien, mais il passe quand même un peu avec d'autres X6 de rang 4. Tant pis, on peut pas lancer de la loupe X6 OTK. Tant pis, c'est, je me sacrifie quasiment là pour vous, surtout pour vous et aussi un peu pour moi quand même. Donc Gear Gigante X au trad et Excalibur au... peut-être au trad. Bon, par contre pour Gear Gigante, je dis pas que je lâcherai, je dis pas qu'il faut rien lâcher. Hein. Par contre, il faut lâcher, mais vraiment plus qu'énorme. Hein. Franchement, c'est ma carte préférée de tout mon binder. Rien que la carte qui est là, je pense qu'elle vaut tout mon binder. Enfin, peut-être pas tout mon binder, mais elle vaut quasiment. Elle vaut le petit binder complet déjà, ça c'est sûr. Plus les deux premières pages, j'en suis sûr. Elle vaut plus que elle vaut énorme. Voilà, donc niveau sentiment, je parle là. Hein. Peut-être pas niveau prix, mais niveau sentiment. Quelques petites communes avec un pod en super, deux Hydreigon. Le Sangor en commune, j'en ai un en gold mais moins d'état. Voilà. Une épée, bon, j'ai tous les héroïques en 3 fois, sauf le double lance. La base magie Dolce, chevalier, château, masse d'or Scott, 3 valses, 3 leçons. Ouais, 3e valse, elle est pas là. 2 T, Miaoufle, Mérable. Le reste, ceux qui me restent en prophétie, c'est-à-dire 2 forces, un cocher, 4 amoresses, 2 livres, un gaga revanche, un frelon, enfin 2 frelons, mais il y en a un qui part, 3 libellules, il y en a peut-être une qui part. Voilà ce qui reste de mon Insector. Voilà la fameuse base Girgia, 3 accélérateurs, 3 anneaux, 2 MK2, le Graal qui n'a rien à foutre ici, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Donc je répète, anneau MK2, anneau et accélérateur pour les Girgia, Graal en haut. Je sais pas si vous voyez très bien la merde, j'oublie à chaque fois de regarder si vous voyez bien les cartes. Tant pis, vous me direz, hein. Je referai la vidéo, c'est pas grave, c'est pas un problème pour moi, je suis libre. Blanc aux yeux bleus, noir aux yeux rouges. Le blanc aux yeux bleus, il sort tout juste du booster. J'ai rigolé quand j'ai sorti du booster. Voilà, en super, super bon état. x2, x2, x1, Starfoil, les deux Star, ben voilà, la Starfoil, Nestogine. Quelques magiciens avec un magicienne, 2, 2, 1. 1, 2, attends, j'ai x2, x4, x2, x1 ou x2, je sais plus. Wangu, au trad. C'est rare que je trade Wangu, mais bon, si c'est pour mes recherches, si je peux choper ce que je veux. Voilà. Grosse base hiératique, x4, avec l'étincelant qui va, avec le dragon étincelant qui va avec. Nuit x3, saut hiératique du dragon soleil x3, EZ x3, sous x3, Nebet x3, saut hiératique du bannissement x2, suprématie x3, saut du dragon soleil x5, saut hiératique du reflet x1, bon voilà, lui. 3 machina, 3 ravitailleurs qui vont avec le Girgia. Base Dark World avec Morphojar en gold, Graffa en gold, super, x3, super, commune, x2, x3, 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 tout est en x3 sauf les deux qui sont en x2, elles qui sont en x1, et elle est en x2. Le Raven, le Dad, le machin qui j'ai mis comme ça. J'ai mis la lame sombre du chevalier du monde ténébreux, elle sert à rien, mais bon, c'est pas grave, je la joue quand même pour le fun, le Raven. 2 cartes de burn, sachant depuis qu'elle est passée à 3 la banne. Elle est passée à 2. Gawain en ultra, la carte de la promo. Édition limitée, c'est ça.
FRFT1, ça veut dire quoi ça? Sneak peek, ouais. Ok, d'accord, j'ai compris. Sachant que j'ai le tapis aussi en dessous. Voilà, mon beau tapis. C'est pas mon beau sapin, c'est mon beau tapis roi des forêts. Voilà, Interias en rab. Bâtonnerre, non. Bâtonnerre, Matonnerre, Sautonnerre. Terrias. Evo Karma. Rico x2. J'en ai un deuxième, je sais plus ce qu'il est parti. Scrap D, Lion Naturia en gold. Excellent état. Regardez, je vais vous le sortir. Je suis super content de l'avoir. Je collectionne les golds, mais bon, elle peut partir quand même. Hein. Ça me gêne pas du tout de les faire partir. Hein. Tant que je peux choper de mes recherches. Excellent état. Toutes les cartes sont en excellent état, tant que je le dis pas. Okay. Donc, à part Rico qui est un peu abîmé. Pour l'instant, il n'y a rien de très abîmé. Lui, Scrap D, peut-être pas au trad, je sais pas encore. Dragon Rouge Arcadémon en ulti, un peu abîmé. Highlander 9. Chevalier de la Force de la Terre, abîmé aussi un peu. Une base Photon. Deux cercles, deux Léo. Support, guide, trois lézards, deux dragons photons, un jugement rare du battle. Et voilà. Alors, pour ce qui est de mes recherches, si je ne veux pas de Gear Gigante X, ce que je recherche quand même, je recherche quand même le Gear Gigante X au cas où, et les cartes Gear. Sinon, je recherche les cartes du deck Bubble Beat. Donc, il me faudrait les trois Bulman, les trois Rayo, moi. Les trois Gosses, le Herman, 2 E appel de détresse. Enfin bref, les cartes du deck Hero Beat quoi. Enfin Beat Bubble Beat. Je connais pas exactement la decklist de Bubble Beat. J'irai aller voir après. Bon, ça fait quand même 16 minutes de vidéo. Je mettrai toutes mes recherches dans la description et même si j'ai trop la flemme d'écrire. Allez, à plus YouTube pour une prochaine vidéo, j'espère dans pas longtemps. Allez, au revoir.